Salut à toutes les amis, c'est Lilian. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Vous allez avoir un RP, un petit roleplay que j'ai voulu faire un petit peu à l'arrache, vite fait. Mais j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Yen32 parce qu'elle participe du coup. Et puis, il y aura Daskar aussi qui participera et aussi Sergio. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'était Lilian. Ciao tout le monde. Salut, moi c'est Yann, 32 ans. Aujourd'hui, je suis en plein désespoir. Ma femme est morte il y a pas longtemps et je vais vous raconter mon histoire. Ce jour-là, c'était des personnes lui en donnant un message lui disant d'aller au combat. Et il s'en alla. Triste de ce pas, elle rentra chez elle. Allé partout. T'étais en train de partir. J'étais en mode putain. Il fallait que tu refermes la porte et que tu rentres parce que t'avais un. J'allais dire qu'il te restait peu de temps avant que tu partes. Bon, ben, Daskar, reviens. Reviens, Daskar. Non, mais t'es en train de partir avec lui, mais du coup, on redonne. Bon, toi, avec tes gâteaux, tu me saoules. Mais dégage! Mange à l'intérieur! Daskar, reste à l'extérieur, Daskar. Ok, vous êtes prêts? Daskar, t'as ton papier? Où ça? T'es où? Non, tu me déranges pas. Ok, en fait, si tu veux, il va te donner le papier et toi tu refermeras la porte. Lui, il va s'en aller. C'est tout. T'as ton papier, mets ton papier en main, Daskar. Ok. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ce jour-là, c'était une personne. Une personne lui disant d'aller au combat. Il lui restait peu de temps. Peu de temps, une journée avant de partir. Ça y est, ils sont arrivés. Ils toquent à la porte. Je suis parti aller ouvrir. Et ils étaient là. J'ai essayé de les en empêcher de rentrer. Mais ils sont arrivés à de force à me pousser. Et ils sont allés la chercher. Et ils sont partis avec elle. Et je n'ai rien pu faire. Sans même lui dire au revoir, elle est partie. Oh, ça fait 2 jours que je dors. Oh, où suis-je? Encore là? Elle est vraiment partie. Oh, attends, ça a toqué à la porte. Je vais aller voir. Un papier? C'est quoi? Quoi? Elle est morte. Non, c'est pas possible. Ceci n'est pas possible. De toute façon, plus rien ne m'inquiète. Je n'ai plus rien à faire dans ma vie. Du coup, je pense boire cette potion de poison. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, ça retoque à la porte. Je commence à redescendre. Et au final, il était de retour, avec un autre papier encore.
me disant que j'étais encore obligé d'aller au combat, qu'il me restait peu de temps. Encore une fois. Je referma la porte et me prépara pour la venger. Et pour au final réussir ce défi. Ils étaient déjà là. Il était déjà venu me chercher. Du coup, je suis prêt. Il fallait que je parte me venger. J'en suis sûr. J'y arriverai. Ils étaient là, ils étaient deux. Je commençais à me jeter sur eux. Ils avaient l'air assez nuls. Assez nuls pour que je puisse les tuer. Mais ils étaient pas trop de mon niveau. J'arrivais quand même assez à les battre. J'ai réussi à en tuer un facilement. Le deuxième, il essayait de courir dans tous les sens. Pour éviter que je le tue. Ce qui était assez bizarre parce qu'on était quand même dans une arène. Et si ma femme a dû affronter eux, elle a, à mon avis, elle était pas si mauvaise que ça alors. Je réussis à les tuer tous les deux et essaya de passer à la prochaine épreuve. Ça y est, le fight final. Je le vis avec son épée et essaya de le combattre. Il était plus puissant. Et mieux stuffé que moi. J'essaya de me défendre le plus que je pouvais. Mais il était plus fort. Où suis-je? Est-ce un rêve? Ou le paradis? Mais... c'est qui ça? C'est... tu es là? Eh bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Yen32. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description, oui. J'essayerai de la mettre. Merci à toi d'avoir participé. Sergio, aussi. Et à Daskar. C'était Lilian. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'était du coup Lilian.